Terminons ce journal à Sanguinée, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Du 25 au 27 novembre 2022, la ville va connaître une animation particulière. L'ONG Écotourisme organise dans cette localité la cinquième édition du Festival de la femme paysanne et du tourisme à Sanguinée, dénommé Agrotourisme. Cet événement, qui se veut un rendez-vous d'affaires, sera meublé de prestations artistiques, de formation des femmes paysannes et de planting d'arbres. Théodore Kanga. Le président de l'ONG Écotourisme, Franck Frédéric, a procédé le samedi 22 octobre au lancement officiel de la cinquième édition du festival Agrotourisme dans le Tonkpi. En présence, les autorités administratives et traditionnelles de Sanguinée. Selon le commissaire général, ce festival va se dérouler du 25 au 27 novembre 2022 à Sanguinée. Il a pour objectif de promouvoir toute la chaîne de valeur agro-pastorale et touristique du district des montagnes. Elles permettront de donner une vision commune des perspectives et des priorités d'action pour développer une agriculture de qualité à travers des activités respectueuses de l'environnement. Ce festival vise à valoriser les acteurs du monde agricole de cette région afin de les amener à sauvegarder et à accroître leur productivité et surtout susciter chez les jeunes l'engouement du métier agricole. Dans la région du Tonkpi, déjà, plusieurs groupements féminins se mobilisent pour la réussite de cet événement.